Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu du prochain DLC de Total War Warhammer 3. Alors ce DLC fait pas mal polémique et fait toujours polémique aujourd'hui puisque eh bien je vous ai déjà fait une vidéo dessus concernant le contenu, le DLC en lui-même, je vous mettrai ça dans la description et dans les fiches. Personnellement, je le trouve somptueux, c'est vraiment un de mes trailers préférés. Les unités qui arrivent, etc., sont très intéressantes. Mais c'est vrai que moi-même en live, j'ai découvert le prix parce que j'étais assez hypé, tout ça, tout ça. Et ensuite, on m'a évoqué le prix parce que vous pouvez déjà précommander. Et j'ai regardé, j'ai vu le prix, j'ai cru au départ que c'était une blague. Quand on m'a dit ce DLC sera à 25 euros, je me suis dit, bah, c'est une blague, c'est une connerie, c'est pas possible. Et au final, non, 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 c'est bien le cas. Et à ce niveau-là, qu'est-ce que je peux dire du prix? Parce que même si j'ai quand même défendu le DLC, les DLC Nains du Chaos, même si effectivement pour un DLC de race, hein, je rappelle, il faut vraiment garder à l'esprit les anciens prix. Alors certes, il y a eu l'inflation, tout ça, mais l'inflation, bon, elle a bon dos, mais certes, il y a l'inflation, mais faut pas déconner quand même. Le prix d'un DLC Seigneur Légendaire, etc., il y a un comparatif qui a été fait et qui est assez intéressant. À savoir que par exemple, vous avez le prix ici de Twisted and Twilight, qui est l'un des derniers DLC Total War Warhammer 2, qui est à 10 euros sur Steam. Pour 10 euros, on avait trois seigneurs légendaires. Un qui était bien sûr du clan, enfin en gros c'était Skaven et Elfes Sylvains, hein, la thématique bien entendu. Donc nous avions les jumelles, les sœurs, d'où le Sisters of Twilight. Nous avons le chef du clan Mulder. Nous avions le chef du clan Mulder pour les Skaven. Et en l'occurrence, eh bien, alors pour Drisha c'est un peu compliqué puisque Drisha était gratuite si vous aviez déjà le DLC Elfes Sylvains, mais elle était comprise dedans. Et pour un DLC, alors après elle était, donc c'est un peu technique parce qu'elle est gratuite si vous aviez déjà un DLC par le passé. Mais c'était des DLC que vous pouviez avoir en promo vraiment pas cher. Et en l'occurrence, pour un seigneur gratuit entre guillemets, Drisha, elle était vachement intéressante. Elle avait une mécanique de campagne très intéressante, elle avait une expérience de jeu qui était très différente des autres elfes sylvains, et elle apportait dans son sillage des nouvelles unités, on va dire, férales, donc des unités, généralement c'est des loups, des faucons, etc., qui sont généralement des montures pour permettre à des êtres humanoïdes de se servir d'eux comme destriers. En l'occurrence, là, c'était les unités en mode normal, et même à la sortie de Total War Warhammer 3, ils ont rajouté les ours bruns et les ours blancs. En plus, gratos dans le truc, en mode vas-y, ça vous fait des créatures supplémentaires pour Drisha. Donc le perso a eu quand même un certain soin. Ensuite, dans les héros légendaires, on a Ariel, hein, la petite sirène. Non, pas du tout. Ariel, qui est vraiment, moi personnellement, un des héros légendaires que je trouve extraordinaire, qui, dans le lore, a une puissance phénoménale. À tel point que ça avait fait un petit peu jaser parce que certains ont trouvé ça étonnant qu'elle soit, elle soit pas en seigneur mais bien en héros. Et nous avions Gorich du coup qui est Gorich qui est du coup le serviteur principal de Sroth, hein, le chef du clan Mulder. Gorich du coup qui est une espèce de héros rat-ogre qui ne sert que le clan Mulder. Donc on avait deux héros légendaires bien badass, bien énervés comme il fallait, avec des animations spécifiques. Ariel, elle est vraiment très très bien réussie, je trouve, en héros légendaire. Et de l'autre côté, Gorich, bah, c'est pas dégueu quoi. C'est vrai que les héros légendaires qu'on nous vendait dans Total War Warhammer 3, ils étaient d'un certain acabit. Du coup, en termes de. On avait aussi des seigneurs génériques et héros génériques, un truc qui était très présent dans Total War Warhammer 1 et 2, or à l'heure actuelle on n'en a pas des masses, c'est tout simplement. Alors là, j'ai ma petite liste sous les yeux parce que c'était compliqué de donner des noms. Donc on a la tisseuse de charme qui est globalement l'enchanteresse mais en version seigneur. Nous avions donc le chef, enfin le maître de meute pour les Skaven. Et nous avions le chef qui est arrivé lui en DLC gratuit, le chef Skaven, qui était très intéressant dans le roster Skaven, je trouve. Et enfin les patrouilleuses des clairières. Non, Chevalier du Grand Cerf, c'est pas ça. Je crois que c'était les patrouilleuses des clairières, un truc comme ça, qui elle aussi était gratuite et était super. Enfin, il me semble qu'elle était gratuite, à moins que c'était que le chef Skaven. Il me semble que c'était gratuite. Mais en tout cas, une unité qui était bien aussi, un peu hybride, où vous l'adaptiez. Le design est assez intéressant, vous l'adaptez comme vous voulez. Est-ce que vous voulez une cavalière? Est-ce que vous voulez une unité aérienne? Est-ce que vous voulez à pied? Chacune a. Enfin, chaque forme a ses points forts. Je trouvais vraiment le héros vraiment intéressant. En termes d'unité, donc ça, c'est ce que je disais, on avait donc. Pour les elfes sylvains, nous avions
Donc les hôtes, donc ça c'était assez intéressant parce qu'en gros c'est les dragons ogres mais sans être version corrompue, hein, globalement c'est un peu ça. Les chevaliers du Grand Cerf, une super unité elfes sylvains. Et enfin les chantelames, les danseurs de guerre version plus. Donc bah, trois unités qui rigolent pas du tout hein, en termes de composition. Après le fait que ce soit très fort ou pas, c'est pas vraiment le but. L'idée c'est de montrer qu'on avait des unités très intéressantes qui ont bien rempli le roster. Ensuite, et qui ont été travaillées aussi visuellement je trouve. Nous avons ensuite du coup côté Skaven, là c'était assez intéressant aussi en termes de roster parce qu'on avait les Ralous, donc nouveau type de bestioles, les rats ogres mutants, bon pour le coup là c'est les rats ogres normaux mais en version plus et unique, et enfin les horreurs de la portée qui ont vraiment un squelette spécifique et qui du coup servent aussi de monture pour certains seigneurs, comme par exemple les maîtres de meute. Donc il y avait vraiment de la... Enfin je veux dire pour 10 euros... Le DLC, il valait le coup, hein. Et encore, c'est 10 euros sans le bonus de précommande, parce qu'on pouvait l'avoir vers 8 euros ou quelque chose comme ça. Donc, ça marche vraiment très bien. Si on compare avec Shadow of Change, donc nous avons dans les seigneurs légendaires, nous en avons 3. Alors, 3 bien sûr payants. Avec du coup, eh bien, le nouveau dragon Yuanbo, Merostankia et le Changeling. On n'a pas encore vu toute leur mécanique, mais il est clair qu'elle devrait être intéressante, même si on aime ou on n'aime pas, elle devrait être intéressante. Legendary Hero. Et là, par exemple, je trouve que le prix est un peu dérisoire parce que nous avons du coup Eikold qui est en héros légendaire gratuit et nous avons les scribes bleus qui sont payants. Et les scribes bleus, j'en avais déjà parlé. Moi, c'était mon call, mais j'étais en mode bon, c'est un peu abusé parce que les, enfin, c'est des scribes bleus. Enfin, les scribes bleus, c'est des horreurs bleues quoi. Montés sur disque de Djinch. Non, montés sur hurleur de Djinch, pardon. C'est même moins fort que le disque. Montés sur hurleur de Djinch. Et voilà quoi. Et puis 25 euros le DLC pour avoir des spells aléatoires. Alors oui, ça marche très bien dans le lore, mais ça fait un peu mal au cul. Nous avons ensuite en seigneur légendaire, donc j'ai pas encore le nom, mais ça doit être le seigneur de Jade, très probablement, ou le général de Jade, donc qui marche très bien en seigneur combattant de Kataï, ça fait plaisir. Je veux dire, ça fait quand même un an et demi que Total War Warhammer 3 est sorti. Kislev et Kataï n'avaient toujours pas d'apport de nouveaux seigneurs et de héros. Et d'ailleurs. On ne sait pas exactement quel est le statut encore de la sorcière, parce que pour moi, même dans le trailer, je croyais que c'était Merostanka, mais visiblement, c'est soit un seigneur, soit un héros de Kislev. Je ne suis pas encore certain de savoir ce que c'est, mais dans tous les cas, en fait, ça sera un magicien. Et Kislev n'a toujours pas de héros combattants, puisque les demoiselles de Givre, bah, c'est des magiciens. Là, la sorcière de Kislev, ce serait une magicienne. Et vous allez me dire, bah si, il y a le patriarche. Le patriarche, c'est un soutien avant tout. C'est à partir du moment où vous montez vers le niveau 20, 30, etc., où vous avez Nounours, vous avez des objets monstrueux derrière, ils peuvent commencer à être ok, mais genre, ça reste des soutiens à la base. Ils sont là pour soigner, redonner des bonus de charge, etc. Ils sont pas vraiment là pour être du combattant. Donc, Kislev n'a toujours pas de héros combattant. Et ça, c'est assez ouf, je trouve. En termes d'unités, on a des choses intéressantes pour Kislev, avec potentiellement ses hommes des forêts. Ses hommes des forêts. On aura peut-être accès, un petit peu comme Drisha avec Merostankia, à des unités, ce que j'appelle férales, donc les unités de meute, peut-être, en plus, parce qu'on a vu des serres, etc. Donc, peut-être qu'il y aura ça, qui pourrait aussi être apporté à Drisha, d'ailleurs. Et nous avons tout simplement aussi les espèces de monstres là, les espèces. J'appelle ça le Wendigo, je sais que vous m'aviez repris en disant c'est un Lichi. C'est tout à fait possible qu'il y ait un mix de tout ça. Moi je suis pas un expert de la mythologie d'Europe de l'Est, mais c'est vrai que bah, ces bestioles là, pour le coup, ces nouveaux rosters, etc., c'est pas forcément les esprits de la forêt, je les imaginais pas comme ça, mais c'est très bien, on a les esprits de la forêt, d'accord, ok. Donc un en version monstre, un en version en très grand monstre. Monstre, régiment de monstres en version très grand. Alors, on verra aussi si ces monstres-là, ceux qu'on voit justement à l'écran, sont censés être. On peuvent être en régiment ou c'est juste en espèce de traîneau. Parce qu'en termes de traîneau, on avait déjà ce qu'il fallait au niveau de Kislev. Donc, nous verrons à ce niveau-là. Est-ce que c'est vraiment complémentaire? Je ne sais pas. À côté de ça, nous avons aussi du côté de Katay. Alors ça va leur faire du bien pour le roster parce que on a donc deux monstres, deux petits chats avec du coup le gardien de Jade et le gardien de Jay, puisque c'est gardien d'Onyx globalement. Et en plus de ça, les hommes corbeaux. Et ça c'est cool parce que c'est vrai qu'on manquait. Enfin, les unités aériennes de Katay sont plutôt du tir plus que vraiment du harcèlement. On n'a pas d'unité extrêmement mobile du côté de Katay, pardon. Donc ça va être cool à ce niveau-là. Pour le bonus d'harmonie, j'ai peur que malheureusement ça ne serve pas à grand-chose.
L'espèce de proto-boussole, on ne sait pas encore ce que c'est, donc nous verrons. Et enfin, du côté de The Zinj, parce qu'on n'a pas encore les infos, je fais cette vidéo avant qu'on ait toutes les infos, certes, mais ça ne devrait pas changer énormément de choses, puisque du côté de Zinj, on a la Cocatrix, qui est vraiment très sympa, hein, clairement, ça c'est le gros point fort, la Mutalita Vortex, très très intéressant aussi, hein. En plus là on a eu les blogs, Mutalita Vortex, c'est exactement ce à quoi je m'attendais, donc une espèce d'hôtel de guerre, mais en version un peu plus combattant, et pas vraiment que soutien, mais elle a du soutien, et elle tabasse, la Cocatrix, assez sympa aussi, et on a les Zingor, donc, qui sont des gores de Zinj, c'est même pas des... Au final, d'ailleurs, je suis très surpris parce que c'est même pas des besties gores de Zinj, c'est vraiment juste des gores de Zinj. Et beaucoup de gens ont pointé le fait que bah, les Zingor, ils sont assez lambda en fait. C'est un reskin, globalement, c'est un reskin. Alors, je suis d'accord que dans le roster de Zinj, ils vont faire du bien parce qu'on n'a pas énormément de flanqueurs du côté de Zinj. Mais c'est vrai que d'un point de vue visuel. Après, Zinj. Ça fait un moment, j'avais commencé à faire une critique du DLC, Champions of Chaos et même juste à la base pour Total Warhammer 3, Zinj s'est tapé énormément de reskins. Hein. Un bon coup de peinture bleu-violette et hop, c'est réglé. Hein. Donc c'est vrai que bah, on a eu ça pour les guerriers du chaos de Zinj, on a eu ça pour les cavaliers du chaos, etc. Quand il y a eu le reskin, bon bah c'est pareil, c'est eux, les maraudeurs de Zinj, c'était pas... Enfin bon, les maraudeurs, à la limite ça allait, mais les guerriers c'était... C'était un petit peu triste, moi j'ai un mod pour les booster un peu visuellement, parce que c'est un peu triste quoi, ils sont pas pimpés et tout, donc je trouve ça assez triste. Et pour le moment on n'a eu aucune info, parce que les trucs de Zinj sont passés, et on n'a eu aucune info concernant le fait qu'ils soient accessibles aux hommes bêtes. Donc bah, certains sont un petit peu en mode, bah ouais mais moi le DLC hommes bêtes je l'ai payé je sais pas combien, on les attend depuis un moment, ils sont même pas dans le roster hommes bêtes. Et encore une fois, moi personnellement, le contenu du DLC me convient parfaitement. Je suis ultra hypé, vous l'avez vu avec ma vidéo de trailer, j'étais pas en train de surjouer ou quoi que ce soit. Je trouve ce trailer incroyable, les unités qui arrivent, incroyable. J'ai 2-3 réserves, notamment les héros, les scribes bleus, et c'est vrai que bon, les Zingor, ils sont pas très très propres. Hein. Enfin, c'est un deux coups de... Il y a du travail non plus, pas... mais c'est pas... On peut comparer avec les déclarations qui ont été faites il y a pas si longtemps avec avec par exemple le fait qu'ils allaient intégrer des unités d'Age of Sigmar pour le chaos spécifique, notamment au niveau des démons. C'est vrai que bah, les Zingor sont sortis, ils n'étaient jamais sortis sur Warhammer Age of Fantasy Battle, mais ils sont sortis sur Age of Sigmar et sont magnifiques. Après je crois que c'est un peu plus justement des Bestigor de Zinj plus que des Gore, mais bah, après normalement des Zingor sont censés être des Bestigor hein, de mémoire. Mais au final c'est vrai que bah, le prix en fait, parce que le DLC est super cool, mais le prix, il est prohibitif. 25 euros. C'est 10 euros les DLC sur Total War Warhammer 2. Celui de Champions of Chaos avec 4 seigneurs, etc. Avec un énorme rework. Avec plein de nouvelles unités. Avec des modifs, etc. d'unités. Même s'il y avait du reskin. 15 euros. Alors, s'il y a des matos, n'hésitez pas à me dire. Mais concernant l'inflation, je crois que j'avais lu un article qui parlait qu'un DLC à 10 euros devrait être à peu près entre 12 et 13 euros. Donc avec 15 euros, ils se mettent déjà au moins 2 euros dans la poche. De marge supplémentaire. Ça a l'air pas grand chose comme ça, mais 2 euros de plus dans la marge, bah, vous multipliez par le nombre d'acheteurs et ça commence à faire. Donc en soi, moi, 15 euros, je suis en mode c'est ok pour le DLC. Je pense que c'est quand même vraiment ok. 25 euros, vous vous rendez compte qu'on était à 10 euros pour le DLC de Total War Warhammer 2 qui était quand même ultra bien présenté. Enfin, il y avait des très bonnes choses dedans, hein. Il y avait du très très bon, sans compter. L'ensemble que ça apporte, parce que mine de rien, là on avait un énorme rework pour les elfes sylvains, faut pas l'oublier. Alors que du côté de Shadow of Change, on a un petit apport en plus pour Katei, mais il n'y a pas de rework en fait, c'est pas un rework. 25 euros, c'est le prix des nains du chaos qui avait déjà une augmentation de 5 euros par rapport au prix des DLC de race qui était à 20 euros. Alors moi j'avais défendu les Nains du Chaos en disant bah, il y avait eu énormément de choses et tout, puis les DLC de race amènent énormément de contenu gratuit en plus dans leur sillage, généralement des nouveaux assets, mine de rien par exemple maintenant quand vous battez dans les Terres Sombres etc, vous avez toutes les maps Nains du Chaos, quand vous êtes sur la carte de campagne les Terres Sombres sont magnifiques, donc au final moi je trouve que les DLC de race, je comprends qu'ils soient assez augmentés, ce qui me saoulait un peu sur le DLC Nains du Chaos c'est qu'on n'ait que 3 seigneurs légendaires et pas 4, ça c'était le truc. Pour surfer sur la demande de héros légendaires, mais je pense que personne s'est dit on veut plus de héros légendaires au détriment des seigneurs légendaires en fait. C'était plus on veut des seigneurs légendaires et des héros légendaires.
Ça, je comprends pas trop leur délire en ce moment de foutre du héros légendaire un peu partout, et du coup, bah, t'as pas de seigneur légendaire. Moi, les héros, c'est bien mignon, mais c'est du complément, hein. Je préfère les seigneurs, hein. Seigneur, c'est ces bannières qui vont avec, ces mécaniques de campagne à part, etc. Héros légendaire, c'est un mec recruté par tout le monde, hein. Et les scribes bleus, bon, hein, voilà. Donc, je trouve honnêtement que le prix de 25 euros est abusé de chez abusé. 15 euros. J'aurais jamais eu de problème et j'ai acheté tous les DLC de Total War Warhammer, que ce soit du 1, du 2 et du 3, et c'est la première fois que je me pose vraiment la question parce qu'en plus, je suis affilié Creative Assembly donc j'ai aucun intérêt à vous dire ce genre de choses. Je suis également, grâce à, on va dire, enfin, moi je vais avoir la clé gratuite en fait. Globalement, je vais avoir la clé gratuite. Donc, pouvoir tester, montrer en live, etc. Mais en fait, j'ai toujours acheté, même si j'avais cet apport, j'ai toujours acheté en plus la clé parce que je me disais qu'il fallait que je soutienne en fait tout simplement les développeurs. C'est quand même quelque chose quand on achète, quand on, enfin, à mon sens, quand on joue un jeu, je veux dire, les Total War Warhammer, j'ai des milliers d'heures. Donc, quand j'ai énormément d'heures, ça me semble logique de remercier et de continuer pour que les devs continuent à faire ce genre de choses. Donc, j'ai toujours acheté les clés à des potes qui n'ont pas forcément beaucoup de sous-sous et du coup je leur ai acheté la clé comme ça, même si on me la file gratos, je pouvais considérer que j'avais acheté le jeu et soutenu les développeurs. Mais là, honnêtement, c'est la première fois que je suis dans une situation où j'ai pas envie d'acheter en fait. 25 euros, le problème en plus c'est qu'on peut se dire ouais, mais c'est pas. En fait, c'est toujours une question de thermostat, c'est une question de. Bah en fait, si on sort le DLC à 25 euros et que tout le monde l'achète, bah la prochaine fois le DLC il sera aussi à 25 euros. Et le prochain DLC sera aussi à 25 euros. Le prochain. Et en fait, ça deviendra juste une norme. Donc ça me semble important de. Parce que, encore une fois, j'ai aussi un code de réduc sur GamesPlanet, etc. Hein, pour me permettre de gagner un petit truc si vous prenez. Si vous prenez le DLC, donc j'ai vraiment aucun intérêt à vous dire de pas le prendre. Et encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Je suis pas là pour vous dire n'achetez pas le DLC. Chacun fait ce qu'il veut à ce niveau-là. Mais je pense que c'est très important en tant que consommateur, même avant de joueur en fait, en termes de consommateur. Moi, je trouve que le modèle économique de Total War Warhammer a toujours été sain. Peut-être pas dans le 1, mais dans le 2 en tout cas, t'es très sain avec du contenu payant qui était quand même pas hors de prix non plus, avec du contenu en plus qui arrivait gratuitement dans le giron de ce contenu payant, plusieurs fois je me suis dit ça c'est un modèle vraiment intéressant. Et c'est vrai que de l'extérieur ça semble très cher parce qu'il y a énormément de DLC, mais en fait si tu y joues tout le temps, et au pire si t'attends les promos, si t'as pas énormément d'argent, t'attends les promos, ça va. Mais là on est sur du 25 euros, genre le prix d'un Raspack. On n'a pas du tout autant d'apports que ce soit en termes de gameplay, que ce soit en termes d'assets graphiques, que ce soit en termes de. Y a rien en fait. Donc c'est même pas une augmentation du double, parce qu'on était à 10, on pourrait être à 20 euros. On est à 15 euros de plus. Je pense qu'honnêtement, ça gueulerait pas. Ça gueulerait quand même. Il y a forcément des gens qui seraient pas contents, mais si le DLC sortait à 15 euros, je pense que personne. Il y aurait que très peu de personnes qui se plaindraient du prix. 25 euros, c'est. Je pense que c'est important en tant que consommateur de dire non à ce prix. Et moi-même, je suis pas encore sûr, je vous dis ça, mais je suis même pas encore sûr moi-même. Mais je pense que ça va être le premier DLC que je ne vais pas acheter parce que bah faut pas qu'on encourage ce genre de choses parce que bah, les prochaines fois ça sera aussi 25 euros et je tiens à rappeler que Total War Warhammer 3 ça fait un an et demi que le jeu est sorti. J'ai toujours défendu Total War Warhammer 3 à la sortie avec des joueurs qui étaient je trouve assez ingrats etc. Même s'il y avait des choses à critiquer, hein, je dis pas le contraire, mais la manière de faire est importante et en l'occurrence Total War Warhammer 3 a eu une sortie ratée. Clairement, il y a eu beaucoup de bugs, etc. On a toujours d'énormes bugs aujourd'hui. Donc ils ne font qu'éponger les problèmes, etc. Et ok, mais c'est pas en. Enfin, je veux dire, c'est presque terrible. On se dit, mais attendez, ça fait un an et demi, ils ont du retard de ouf sur ce programme parce que ce truc-là, il aurait dû sortir l'année dernière. Qu'on soit clair, il aurait dû sortir l'année dernière. La première année, pas avoir de contenu sur les races du 3 en dehors du chaos, c'est pas normal en fait. Donc ce DLC, il a probablement 6 mois de retard en fait. C'était peut-être je sais pas comment ça se passe en interne, mais il a du retard. Tout est en retard. Le premier le Immortal Empire aurait dû sortir 1 à 2 mois après la sortie. Il est sorti 6 mois après la sortie. Le DLC du chaos, il est sorti très très tardivement aussi. Donc je pense que ce DLC était prévu bien en avance. Donc je trouve ça quand même assez fou de se dire que ils ont un retard sur leur calendrier de taré. Par leur propre faute, hein. Ils se sont ratés, etc. Il y a eu le Covid, bon bah ça aide pas, bien sûr. Et
d'arriver et te dire bah 25 euros, hop, c'est parti, on a un an et demi, ça fait un an et demi que Kislev et Katai sont sortis, il n'y a rien eu sur eux. Vous allez me dire, si, il y a eu le Ricard, Héros Légendaire, on s'en fout, et puis le Katai ne l'a même pas en plus. Et tu sors ça, 25 euros en mode bonjour, je trouve ça quand même. Je trouve ça assez ouf en fait, hein. Je trouve ça vraiment affligeant en fait, c'est hallucinant. Je vais pas continuer la vidéo comme ça pendant 17 ans, mais vraiment une augmentation aussi forte pour un contenu qui est sensiblement le même, je pense que certains vont dire ouais, c'est un petit peu mieux, et vraiment de manière objective, pas en mode moi je préfère ça, moi je préfère ça. Genre juste, c'est vrai que les seniors ont probablement plus de mécaniques, etc. Drisha, on peut évoquer qu'elle était semi-payante et autres, mais enfin, je veux dire, le script bleu par rapport au héros légendaire, y a pas photo en fait. Il n'y a pas photo en termes de design et de prix, enfin en termes de design et de temps que ça a pris, c'est pas la même chose, hein. Donc Ariel, toutes les animations visuelles, on a créé un squelette spécifique, les animations visuelles et tout, les sorts, comment on réfléchit l'arbre de talent, etc. Les scribes bleus, c'est deux aurores roses montées sur un hurleur. Tous les modèles sont là, hein. C'est pas le truc le plus difficile à faire, hein. Donc moi je trouve vraiment le prix abusé, vraiment aberrant même, aberrant, et je pense que bah, c'est important de le dire. En tout cas, en tant que créateur de contenu, je pense que c'est important de le dire, et je serai le premier à continuer à soutenir la licence, continuer à y jouer. Je suis pas en mode appel au boycott, faut plus jouer au jeu, etc. Je pense que ça, c'est la pire idée. Mais ne pas acheter le DLC me semble important en tant que consommateur. Après, est-ce que je suis en mode vraiment faites ce que vous voulez? Je sais qu'il y en a qui vont quand même l'acheter. Je sais qu'il y en a qui l'achètent déjà, mais je pense que c'est vraiment. Il faut se poser sérieusement la question sur est-ce qu'on tolère le fait que le prix augmente quasiment de 150% pour la même chose, voire moins, en fait. Et encore une fois, l'inflation, ça peut se comprendre. Le DLC à 15 euros, moi j'achetais direct, je me posais même pas la question. Là, vraiment, je suis pas content. Là, vraiment, je suis pas content et je trouve vraiment que c'est abusé. Ce serait le DLC Nain du Chaos, on aurait pu dire bon bah c'est pour Ashoot, hein, le prix, la gridance, l'avarice, tout ça, ça marche. Mais là Zinch, ouais, Tarif a sorti une vidéo, je crois qu'il a jamais fait ça avant, il a sorti une vidéo en mode c'est Zinch qui nous fait un prank en fait, c'est pas possible, c'est le Changeling qui nous fait un prank, il est là pour c'est Creative Assembly, là c'est Zinch et ils nous font un prank. Et honnêtement, c'est vrai que moi je trouve ça hallucinant. Je trouve ça hallucinant. Je sais pas si finalement ils vont revenir en arrière et autres, mais je pense que c'est important de montrer son mécontentement, tout en gardant du respect bien entendu, mais de montrer son mécontentement à l'égard de Creative Assembly pour ne pas tolérer et accepter ça, parce que bah, sinon tout Total War Warhammer 3 aura des DLC à 25 euros. Et je pense honnêtement que s'ils montent à 15 euros, toute la communauté va les suivre. Et je veux dire, ils savent très bien qu'en tant que client, on est demandeur, on veut du DLC, on veut du DLC. C'est rare d'entendre ça. Je veux dire, les joueurs, demandez à Blizzard si leurs joueurs, généralement, c'est pas ça. Hein, quand ils disent on va faire un DLC, les mecs gueulent, hein, généralement. Donc, sur Total War Warhammer, c'est un public qui est totalement acquis. Que tu augmentes un peu tes prix, parce que bon, on a du retard, ça prend du temps. Après, on a du retard, c'est de leur faute, mais ça prend du temps, etc. Ok, d'accord. 2 euros, ok. Plus l'inflation, ok. Passer de 10 à 25 euros pour un DLC de Seigneur, c'est pas normal. Voilà, je pense que là on commence à tourner autour du pot, donc je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous plaira et enfin, moi j'essaye juste de faire en sorte qu'on se rende compte de ça. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez et si vous voulez acheter le DLC, je comprends tout à fait. Il a l'air super, il a l'air trop bien. J'ai hâte de voir où vont commencer Yuanbo et Mère Ostanka. Un peu déçu d'ailleurs que le Changeling commence dans l'Empire. Je m'attendais vraiment à ce qu'il le foute en Katai pour foutre le bordel. L'Empire a suffisamment de problèmes et avec le prochain DLC sur lequel j'ai fait une vidéo, normalement il devrait y avoir pas mal d'actions dans l'Empire. Donc je suis très étonné qu'il foute le Changeling dans l'Empire. En Royaume du Chaos, je comprends, mais en Immortal Empire, je suis très 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 surpris. Ouais, ça c'est pas forcément vrai. J'ai hâte de voir quand même pour Yuanbo devrait être. Pas, sans surprise, devrait être au centre de Katay, Mère Ostankia pour le coup, peut-être la forêt tout au nord de Kislev. Sinon, bah après ils peuvent la mettre un peu où ils veulent, donc on verra, mais c'est vrai que ce serait bizarre de la mettre hors Kislev vu que c'est censé représenter les forêts de Kislev. Donc nous verrons à ce niveau-là. En tout cas, voilà, je vous dis plein de bisous, j'espère que cette vidéo
pourra faire en sorte qu'il y ait un vrai questionnement, un vrai débat mature dans les commentaires et pas juste vous êtes des pigeons, vous êtes des vendus ou non mais tout va bien, moi je l'achète pour 35 €. Enfin, je veux dire qu'on ait un argumentaire sain dans les commentaires. Merci d'avance, plein de bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus dans Lexus! Oui, bonjour, c'est la chute. Ouais, c'est possible que je prenne une petite marge hein, sur ce DLC. Une petite. Disons que j'ai mon pote Nain du Chaos à Game Workshop qui m'a contacté. C'est vrai que bon, c'est plaisant quoi, c'est plaisant. Non, sinon, plus sérieusement, d'ailleurs, il y a une vidéo sur les Nains du Chaos qui est toujours en préparation et qui arrive. Ce sera la dernière pour les Nains du Chaos. Je crois que je vous ai suffisamment bassiné avec. Allez, bisous!